As-tu envie de sortir des montagnes russes financières avec ton entreprise? Surtout si tu es dans ta première année, tu es en démarrage, on en essaye des choses. Et en fait, la clé, c'est le choix du bon modèle d'affaires. La plus grande erreur que plusieurs entrepreneurs ou professionnels qui passent du salariat à l'entrepreneuriat font, c'est qu'ils prennent le même modèle d'affaires de quand ils étaient salariés. Donc, ils échangent des heures de leur temps contre de l'argent. Première erreur. Deuxièmement, il faut arrêter de construire son modèle d'affaires sur cette structure-là. Tu vas rapidement atteindre un palier puis tu vas avoir des limitations. Tu as juste deux mains, tu as juste deux bras puis tu as une tête. Tu ne seras pas capable de faire un volume de clients super élevé si tu fonctionnes comme ça. Donc, tu dois migrer vers un modèle d'affaires qui te permet de couvrir plus de personnes en même temps et qui va augmenter ton chiffre d'affaires.